Alors aujourd'hui, j'ai un petit projet qui consiste à adapter ce mondrin pour pince de serrage type F48, pince poussée. Donc j'ai un disque ici sur Basecamp Lock qui avait été tourné pour adapter un ancien mondrin. Je vais le transformer pour pouvoir recevoir celui-ci. Donc l'idée va être de supprimer cet épaulement pour en refaire un nouveau qui permette de réceptionner ce nouveau mandrin. Alors là, on voit l'épaulement justement que je vais devoir supprimer. Et ici, on a le nouveau mandrin qui nécessite un épaulement de 125 mm. Donc je vais m'attaquer à ça. Je viens de changer de porte-outil. J'en ai mis un qui me permet d'avoir des plaquettes WNMG, qui est plus efficace, me semble-t-il. Sur la pince, là 2,5 mm. Les avancements rapides, j'ai diminué, là ça vibrait. Thank you.
je comprends mieux, mes vibrations sont pas ce que je pensais qu'elles étaient, mais c'est les vis de fixation du disque qui commencent à dépasser. Alors je vais prendre la pince de finition là, pour planer toute ma face, qu'elle soit propre, avant de commencer à faire mon nouvel épaulement. Voilà, le machinage de cet épaulement est terminé. Donc maintenant, vu que c'est un disque Camlock qui avait été utilisé pour un autre mandrin, il y avait déjà deux trous, donc ça me limite la possibilité de positionnement pour mes trois trous à venir. Donc ceux qui vont permettre de fixer le mandrin. Donc voilà, je les ai plus ou moins déterminés pour que ça passe entre deux trous existants. Donc là, je vais donc démonter mes tiges Camlock pour pouvoir positionner ça sur à plat sur ma fraiseuse. Et je vais utiliser l'affichage digital pour faire donc ces trois trous. J'ai pas de tige de centrage ou diamètre exact là du trou, autrement ça aurait été beaucoup plus facile. Je le positionne, je mets mes tiges dans chaque trou, je poinçonne et j'ai mes trois emplacements qui seraient vite positionnés. Vu que j'ai pas ça, ben voilà, je vais aller le faire avec l'affichage digital de la fraiseuse. Ça sera l'occasion de montrer comment on utilise la fonction de trou sur un diamètre donné. Ok, là je desserre donc une fixation Camlock. Donc celle-ci, en fait, quand on les visse au départ, il faut faire en sorte que le trait qui est sur le Camlock soit au niveau du plat du disque. Donc, il faut faire attention en les remontant, que ce soit juste. Quelquefois ça joue du premier coup, mais parfois on est obligé de le régler par demi-tour, par tour complet. Ajuster, on verra ça au montage ce que ça donne. Voilà, on se retrouve sur la fraiseuse. Pour positionner la pièce sur la table de la fraiseuse, il est préférable de choisir le départ de son premier trou qui soit parallèle au rainure de la table. C'est-à-dire que dans le programme, on va choisir un angle de départ donné comme étant 0 et ce trou positionné à 0 degré doit se trouver depuis le centre, on va dire, parallèle au rainure de la table.
Donc j'essaye au départ, avant de fixer ma pièce, vu que j'ai déjà plus ou moins prédéterminé le traçage de mes trois trous, d'être parallèle aux rainures de ma table. Ça va me faciliter le pointage du petit programme. Voilà, là je serai pas mal. Donc là je vais brider ma pièce et ensuite je vous montre comment on programme l'affichage digital. La deuxième étape consiste à centrer l'axe de ma fraiseuse au centre de mon trou. Donc je vais utiliser cette aile au centrage ici pour réaliser ça. Donc c'est un outil assez simple qui comporte une tige qui va venir tourner sur la périphérie du trou, et avec le battement de l'aiguille on arrive à déterminer justement le centrage. Centré plus ou moins à la départ. Voilà. Visser la tige ici. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, mon outil est en place. Donc cet outil est donné pour pouvoir fonctionner jusqu'à 500 tours minute. Alors moi je n'aime pas l'utiliser à cette vitesse là parce que l'aiguille bouge tellement vite qu'on ne voit pas clairement l'endroit où elle s'arrête. Donc au contraire, moi je l'utilise à peu de tours minute, là je suis à 60 tours minute. Ce qui permet vraiment de voir tranquillement l'aiguille, où est-ce qu'elle va au plus loin. Et le but avec les axes X et Y, c'est de diminuer le battement de l'aiguille. Donc là actuellement mon aiguille s'arrête ici, je continue avec l'axe X, là elle augmente, donc je suis dans le mauvais sens. Là je ne bouge plus, alors j'arrête avec le X, c'est le Y. Voilà, l'aiguille diminue son battement, donc je continue toujours avec le Y. On va dire elle s'arrête là actuellement, je continue, je dépasse ce point, donc je reviens dans l'autre sens, et je reprends mon X. Voilà, le X me permet de diminuer encore le battement. Là je suis dans le centième, je vais essayer un petit coup le Y. Voilà. Là, mon aiguille est pratiquement immobile, je suis bon. Je suis au centre du trou. Une fois qu'on a centré l'axe de sa fraiseuse au centre de son trou, on met ses axes X et Y à 0. Ensuite, on rentre dans le petit programme qui permet de positionner un nombre de trous déterminé sur un diamètre donné. Dans le programme, la première position, on vous demande de choisir sur quels axes vous allez travailler. Il y a plusieurs sélections possibles. Donc là, je choisis le X et le Y. Je valide. On se trouve à 0, 0 puisqu'on a mis au préalable nos axes X et Y à 0. C'est le centre de la position, donc on est au centre du trou. Là, 0, 0. Suite du programme,
on vous demande de rentrer en millimètre le diamètre du cercle. Donc là, c'est un cercle de 140. J'ai tapé 140 et j'ai fait enter. La suite, on vous parle d'un nombre de trous. Le programme, il fonctionne sur une position, premier trou à 0 degré et le dernier trou à 360. C'est pourquoi, en fait, on est obligé de mettre un trou supplémentaire à ce qu'on a besoin. J'ai besoin de 3 trous, je mets 4. Je valide. Le démarrage du trou est à 0,0 degré. À 0 degré. C'est pourquoi j'ai au préalable, comme montré précédemment, mis ma pièce sur ma table de fraiseuse à une certaine position. Le premier trou que je le voulais, je l'ai mis parallèle au rainure de la table. Parce que depuis le centre, l'axe de la fraiseuse va se déplacer parallèlement aux rainures jusqu'à la position du premier trou, ou à savoir à 0 degré. On continue dans le programme. La fin de son cercle, donc 360 degrés, on valide. Et là, on se trouve dans la position pour effectuer son premier trou. Qu'est-ce que je vais devoir faire avec l'axe X, la manivelle de l'axe X? Je vais amener mon 70 à 0. Et une fois que je serai à 0, je serai en position pour effectuer mon premier trou. Voilà. Donc là, j'effectue mon premier trou, je perce. Ensuite, une fois que j'ai fait le premier trou, je fais le deuxième, numéro 2. Et je vais devoir déplacer mes deux axes jusqu'à ce qu'ils arrivent à 0. Je vais percer et je vais effectuer mon troisième trou. Et là, j'aurai mes distances à effectuer pour mon troisième trou. Voilà. Voilà, donc j'ai positionné mon premier trou. Et je tombe bien sur le trait que je m'étais tracé. J'oublie ce détail, je n'ai pas besoin de lubrifier. C'est les tours minutes. 50 tours. Pas trop le serrer.
attention. Alors ensuite, deuxième trou, c'est le cadre un peu, j'appuie sur ma flèche du bas, trou numéro 2, et je dois amener les deux affichages à zéro. Alors le mix, voilà. Et le Y en avant. Dernier trou, j'appuie numéro 3. Voilà mes trois trous. Juste nettoyer un petit peu l'entrée, toute la chanfreinée un petit peu, et on va tester ça. Alors là, on arrive au bout de ce petit projet. L'épaulement a été machiné, on a fait les trois positionnements des vis qui vont permettre au mandrin d'être maintenu. Alors un petit nettoyage. Voilà. L'air comprimé n'est pas en refonction, tant pis. Je suis pas dans le bon emplacement. Voilà. Donc maintenant je vais monter ça sur le tour et on va essayer de voir la précision de tout ça. Alors encore un petit nettoyage avant le montage. J'avais pris soin de marquer l'emplacement de mon disque Amlock avant de le machiner,
qui permet peut-être d'augmenter un peu la précision, à savoir de remonter dans la même position que celle qui a été utilisée lors du machinage de l'épaulement. Là, le remontage de mes camlocks a l'air d'être correct puisque ils sont tous bien dans la position de serrage. Il n'y en a aucun qui fait un tour complet, ça voudrait dire qu'il est mal remonté derrière le mandrin. Chercher mon petit comparateur. Donc là j'utilise mon petit support Noga que je monte sur le mandrin de ma poupée mobile. Ça. C'est vrai que la première fois j'ai cru que j'avais mal positionné mon comparateur parce qu'il y a tellement peu de jeu que je me suis dit c'est pas possible. Mais j'ai vraiment l'aiguille qui ne bouge absolument pas. Donc je suis assez content du résultat. Donc là je suis en train de tourner le mandrin. Il n'y a aucun mouvement de l'aiguille. Donc très content du résultat. Peut-être pour montrer plus en détail le fonctionnement de ce mandrin. Donc on a le logement ici de la pince poussée. Et en actionnant la clé du mandrin, on a la partie intérieure du logement qui va sortir. Donc elle va venir effectivement compresser la pince sur l'écrou. Donc en actionnant la clé, la pince vient se compresser et donc diminue son diamètre. J'en déduis qu'au démarrage, il faut, si possible, aligner les deux bagues. Ils ont fourni une clé de serrage pour l'écrou extérieur, mais je n'en vois pas vraiment d'utilité, puisque en serrant modérément à la main, on arrive à obtenir un bon serrage. Donc on met en compression, là, je l'ai même trop fait à la main, hein. L'écrou extérieur et après deux petits tours de clé et on obtient le serrage.
Donc c'est assez rapide en fait. Pour les changements de pièces. Voilà. Donc là j'ai un mandrin qui va pour les pinces F48. Si lors du montage de la pince on prend la peine de rentrer un petit peu la bague mobile qui sert à pousser la pince, si on la rentre à l'intérieur, ça nous permet de gagner quelques tours de filet sur l'écrou externe. Et celui-ci va se rapprocher de cette petite vis ici, qui est une vis de sécurité en fait. Donc là manuellement je viens mettre une lumière en face, je bloque ma vis et ainsi j'ai sécurisé mon écrou. Alors là, après faut lors du premier montage, il y a plusieurs tours de clé après à faire. Et ensuite, je dirais deux tours complets, même pas, et on obtient le serrage avec ici la sécurité du blocage de l'écrou externe. C'était donc un petit test de mon nouveau mandrin de la marque FN de chez Niederhauser, donc fabriqué en Suisse. Bel objet qui vient avec une petite notice assez substantielle dans les langues allemande, français et anglaise. C'est bien détaillé. Enfin, c'est bien détaillé. Sommairement, mais suffisamment détaillé. Voilà, j'espère que c'était un truc intéressant.